Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les Capricornes du 15 au 30 octobre. Donc je refais parce que les premières n'étaient pas super super, donc il n'y avait pas vraiment de détails comme d'habitude. Donc du coup je refais la vidéo pour qu'il y ait plus de détails. Donc les Capricornes du 15 au 30, vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Chana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Donc, pas de rendez-vous pour l'instant cette semaine puisque je suis en train de me... Enfin, je suis malade, je commence seulement à m'en remettre. Donc, pas de rendez-vous là pour le reste de la semaine. Vous pourrez me retrouver directement par mail. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, ainsi que le lien de mon Facebook. Et vous pourrez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Chana Cartomancie, où je vous apprends à comment tirer les cartes, les méthodes de tirage, la signification des cartes, le pendule, les pierres. Il y a quelques vidéos pour le moment, puisque je viens de la commencer. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne aussi, ainsi que d'activer la clochette de notification, de liker, partager et surtout de me faire vos retours en commentaire. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si la situation correspond à la vôtre. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur le tableau de 13 cartes, encore et toujours. Donc, 12 cartes pour l'évolution de la relation et la 13e pour la finalité. Ensuite, la métisse love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le normand, pardon. Et je recouvrirai et je prendrai 3 cartes avec le Madame Maboule. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Allez, donc on va prendre la triade. Alors, je ne ferai pas de coupe, je fais directement les tirages. Alors, on parle d'une femme ici, hein. Alors, ici, on me parle d'une femme hein, qui va trouver des solutions pour entrer en fusion avec son autre ou avec elle-même. Hein. C'est une personne qui est dans une période un peu fatiguée, épuisée, qui, pour moi, ne le communique pas forcément, mais c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ pour moi. Oui, on est plutôt sur quelqu'un qui retrouve une énergie, qui retrouve quelque chose, quoi. On peut parler d'une personne de confiance ici, d'une personne proche de vous qui pourrait être le côté familial. Côté familial ou côté amical, hein. D'accord. Bon. Alors, pour moi ici, on a une personne avec qui les Capricornes étaient. Vous étiez en fusion avec cette personne. Vous étiez vraiment très complice. C'est quelqu'un avec qui vous étiez. Comment je vais vous dire ça? Vous étiez complémentaires en fait. Pour moi, c'est une relation qui a duré quand même quelques temps, quelques mois, plus d'un an. C'est une personne qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a pris le temps, qui prend le temps. Qui a pris ou qui prend le temps de revenir vers vous. Alors, pour cette là, d'accord. On me parle hein, là que cette, on va voir cette femme là qui est un peu dans une période compliquée de sa vie, une période un peu triste, en deuil, peut-être une rupture même. On me dit hein, qu'il y a une communication qui va être assez riche pour vous, mesdames, au niveau de votre couple. Là, on me parle de solutions. Alors, vous avez l'impression d'être puni par rapport à une personne, peut-être par rapport au coup de foudre que vous avez eu. Pour moi, il y a des solutions.
Il y a des solutions qui vont venir à vous hein, pour retrouver ce calme, cette sérénité qui vient ensuite. On me parle d'une fusion, donc voyez, on a quand même cette femme, cette jeune femme, qui va trouver des solutions, qui va faire un éclaircissement par rapport à un couple, par rapport à une personne avec qui elle était ou elle était en couple ou avec qui elle est en couple et que la période est peut-être un peu compliquée. On me parle hein, ici d'une période un peu de tristesse, de deuil par rapport à une personne de confiance, une personne qui était très proche, une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Donc c'est peut-être la même personne là qui revient vers vous. C'est peut-être même cette personne qui est dans cette période de tristesse, de solitude en fait. Hein. Ouais, vous vous sentez puni par rapport à une communication. Donc je pense qu'il y a peut-être une communication un peu compliquée, incompréhensive. Enfin, vous avez du mal à communiquer avec une personne. Bon, là, on me parle bien hein, du retour. Ce retour va vous amener beaucoup de choses. On me parle vraiment d'une période où vous allez retrouver la sérénité. Après, ça peut être justement le retour de la richesse et de la paix, du calme. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les Capricornes, là, qui va vous aider à... Ouais. Qui va vous aider à avancer, à retrouver une sérénité, quoi. Bon, on me dit bien que vous êtes protégés. On a le calme, encore une fois, le calme, la protection. Il y a une communication qui reprend avec une personne avec qui vous avez rompu. Mais c'est une personne que vous avez aimée, hein. Une personne que vous avez aimée, une personne avec qui vous avez rompu. Il y a quelque chose qui reprend là. Bon, on me dit que ce sera... Soit ça va être très calme, la relation va reprendre sur plus quelque chose de calme, de doux, soit ça sera quelque chose qui n'aboutira pas en fait. Hein, dans tous les cas, vous avez une protection sur vous, là, les Capricornes. Ouais. Pour moi, il y a l'énergie qui revient. Oui, c'est ça, on a une énergie qui revient. On a une énergie positive qui revient. Bon, vous avez fait des sacrifices hein, par rapport à une personne, où cette personne se sent sacrifiée, mais revient, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love là. Allez. Capricorne sentimental, les 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Il y a une seconde chance avec une autre personne. D'accord. Bon. Pour moi, vous allez donner une nouvelle opportunité, une seconde chance à une personne du passé. On peut parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. C'est une personne qui pense à vous, à qui vous manquez. Les pensées sont réciproques, hein, le manque est réciproque. Ouais, c'est une personne avec qui vous avez eu un lien karmique. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend contact. Hein. J'ai une personne qui reprend contact. Le contact risque d'être un petit peu froid, mais j'ai quelqu'un qui reprend contact. C'est l'attirance que cette personne a pour vous est plus forte en fait.
Ok, donc là on pourrait, pour moi j'ai quand même une jeune femme là qui va donner une seconde chance à quelqu'un, une nouvelle opportunité à quelqu'un, une personne du passé, je pense que c'est une personne du passé, quelqu'un qui pense à vous en fait et à qui vous manquez. On peut me parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge. Le manque est là, les pensées sont réciproques. Hein. Pour moi, ce sont réciproques. On me parle d'une relation karmique avec une personne. Pour moi, c'est une personne très protectrice. Le froid, il y a eu un froid, mais on a une communication qui reprend parce que l'attraction est là, parce que l'attraction est plus forte. On me dit que c'est une relation qui a été instable, mais qui a été très passionnante. On peut me parler d'une personne plus âgée. On me dit bien que le succès est là. On a des espoirs qui peuvent. On a des espoirs qui sont là. On est sur le lien d'âme sœur ici avec cette personne. Donc là, on me parle vraiment d'une relation karmique où on a encore des espoirs dessus. On me parle bien d'une personne qui pense à vous, hein, une personne protectrice, quelqu'un de très tendre, de très doux. On me parle hein, que la relation était instable au moment où vous étiez ensemble, la relation était instable. On me parle de donner une seconde chance, malgré le froid qu'il peut y avoir entre vous, il y a une seconde chance qui arrive, parce que cet amour était quelque chose de passionnant dans vos temps, c'est quelque chose qui vous prenez aux tripes, qui vous prenez aux tripes ou qui vous prend aux tripes. On me parle d'une personne à qui vous manquez. Cette personne va reprendre confiance en vous. On peut me parler ici d'une personne plus âgée que vous ou d'une personne qui est plus mature que vous, qui a ce côté très très paternel quoi. Ici, on me parle d'une personne donc soit Cancer, Lion ou Vierge avec qui il y a une alchimie, une attirance mutuelle. On peut aussi me parler des signes ascendants lunaire ou Vénus. On me dit ici que vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne pour qui il y a de l'alchimie, de l'attirance. Et on me dit qu'il y a une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui arrive à vous. Allez, on va aller voir avec le Lady Lenormand. Ouais. On va avoir un épanouissement ici pour vous les Capricornes. Allez. Voilà, il y en a beaucoup trop. Encore pour le Capri. Ok, bon. Bon, pour moi ici, hein, vous voyez, on a quand même un épanouissement qui va se faire. Il y a eu de la déception, il y a eu des mensonges, on a eu un schéma répétitif qui s'est fait sur une nouvelle relation, mais on va avoir des solutions qui vont être trouvées pour accéder à ce bien-être, à cet épanouissement. Ici, on me dit hein, qu'il y a eu un abus de confiance, il y a eu quelque chose de
tranchant, de brutal pour vous concernant cet abus de confiance. Mais vous avez réussi à aller au-delà, à avancer, à reprendre les choses à zéro, puis à vous protéger. Vous êtes peut-être protégé, mais là, pour moi, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Peut-être le retour de cette chose brutale qui revient, ou cet abus de confiance. On a le retour du bâton, on va dire. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a ça, en fait. Pour moi, on a ça. On a le schéma répétitif et on a quelque chose qui revient sans arrêt, en fait. C'est un schéma qui revient tout le temps. Vous arrivez à accéder au bonheur et hop, il y a quelque chose qui vient brutalement un peu se casser la gueule, quoi. Tout simplement. Bon, pour moi, il va falloir écouter vraiment votre intuition parce qu'il y a vraiment du mouvement hein, là qui arrive pour vous. Vous vous mettez dans une forme d'isolement. Mais voyez, enfin, on a, pour moi, j'ai un retour. Je vais avoir un retour, je vais avoir du contact qui revient. Là, on me parle de travail, donc vous êtes peut-être une personne trop prise par le travail. Votre autre est trop pris par le travail. Vous avez l'impression d'être seul. Pour moi, c'est ça, vous avez vraiment l'impression d'être seul, qu'on vous met de côté, que votre route vous met de côté. Mais on me dit bien d'écouter votre intuition parce que là, on va avoir un mouvement qui va se faire. Hein. Là, ouais. Ouais, on a des choses qui avancent malgré tout. Voyons, par rapport au schéma répétitif, par rapport au conflit, on va réussir à changer la donne, en fait. On va réussir à accéder au bonheur, à la réussite avec cette personne. On parle de déception. Il y a eu une déception, une trahison qui a été faite, qui vous a vraiment cassé dans votre relation, qui a été brutale pour vous. Vous avez pris du recul par rapport à cette relation-là, en fait. Bon, on me dit bien qu'il y a un renouveau qui vient en vous, mais vous vous protégez. Vous vous protégez, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail. Pour moi, il y a cette nouvelle chose qui arrive, pour moi qui est très positive ici. On a des solutions. Il y a une solution très rapide là qui va être trouvée. On a quelque chose de très très rapide qui revient. On a une communication qui revient assez rapidement ici. Pour moi, les choses, on a en fait, il y a deux relations dans cette histoire. Il y a une relation qui vous a déçu, où ça a été tranchant, ça a été brutal pour vous. Vous avez préféré prendre du recul, vous avez préféré prendre des distances avec cette personne. Et ici, on a vraiment un bonheur qui peut être accessible pour vous, mais vous vous protégez beaucoup trop. Vous protégez beaucoup trop, mais on a quand même un retour de communication qui vient assez vite. Pour moi, il y a un mouvement sur le bonheur, sur le ouais, on a quelque chose sur la réussite. Mais ici, on me parle vraiment d'abus de confiance. Donc, je pense qu'il faut travailler vraiment sur cet abus de confiance que vous avez eu pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir avec le Madame Maboul. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, ce Madame Maboul. On a quand même le lien d'âme sœur. Donc pour moi, il y a vraiment deux relations là. Là, les Capricornes sentimentales du 15 août, 30 octobre, s'il vous plaît. Bon, là, je vais prendre trois cartes si besoin. On en prendra d'autres, mais je pense que trois cartes, ça suffira. Allez. La fête, le mariage. Donc on a quand même équilibre. D'accord, donc pour moi, on a vraiment une relation et on a la réussite là sur le dos de deck. Je n'ai même pas regardé ce qu'on avait en dos de deck sur les autres tas. Bon, on a quand même la difficulté, d'accord, l'impasse, la difficulté, la protection. Ok, ça j'avais, ok, énergie. Si on l'avait regardé. Alors là, par rapport au dos de deck hein, de l'améthyste, on a quand même une trahison. Pour moi, on a vraiment une trahison, mais. Alors, moi, j'ai une trahison. Mais c'est marrant parce que j'ai deux hommes. Voilà. J'ai un homme qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a. Hein? Et j'ai le deuxième homme, en fait, qui est là, qui est dans l'attente, qui attend de pouvoir vous rendre heureuse, quoi. Donc, on a encore ce mouvement qui est là, ici. Hein. On a ce mouvement qui est ici. Et on parle plutôt de. Alors, on a la relation amoureuse, âme-sœur, tout ça qui sort. Et on a la relation charnelle qui ressort plutôt avec un bélier, taureau ou gémeaux. Donc, il y a bien
effectivement deux relations. Sur le Lady Lenormand, on a quand même la difficulté, les embûches, mais on va avoir quelque chose qui va changer. Vous allez avoir l'autorité, enfin la force vraiment d'avancer. On me parle quand même pas mal d'argent, donc je pense que vous allez recevoir une petite somme d'argent qui arrive. On parle de commerce étranger. Ok, pour moi, vous allez au niveau travail, vous allez avoir quelque chose qui va bouger là. Au niveau des relations, on a une relation qui peut être ancrée, mais vous vous mettez en sécurité. Ouais, là, ça va être compliqué en fait de. Pour moi, ça va être compliqué hein, vraiment de construire la relation dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes vraiment en mode sécurité. Je me protège au maximum. Mais on me dit bien que vous allez avoir la force en fait d'avancer ici. Hein. Donc pour moi, c'est très positif parce que vous voyez, on a quand même la fête, le mariage, l'équilibre. Donc pour moi, ça veut dire quand même qu'il y a une très belle relation derrière qui vient, une relation où il y aura une demande en mariage, où on va retrouver cette espèce de joie, de bonheur qui vient et on va avoir cet équilibre. Et derrière, on a quand même la réussite. Hein. On a quand même la réussite. On a toujours des disputes hein, qui viennent, mais j'ai cette réussite qui est là, quoi. Donc pour moi, c'est très positif hein, pour vous les Capricornes. Moi, j'ai quelqu'un qui revient dans votre vie, mais vraiment pour vous rendre heureux ou vous rendre heureuse. D'accord? Donc n'oubliez pas, on a vraiment deux personnes très différentes. Une personne qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui a été... La rupture a été tranchante, a été brutale pour vous. Vous avez pris du recul par rapport à cette personne et vous avez refait votre vie. Maintenant, les choses prennent un nouveau tournant. Donc voilà les Capricornes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous!